La région d'enfance et d'adolescence, c'est Poitiers, charmante bourgade du centre-ouest de la France, classe très moyenne, avec des hauts et des bas, voilà. Dans différents bouquins, je parle un peu de ça, parce que je pense que ça a son importance. Et donc moi, je nais un mois avant mes 68, voilà, comme ça tu as mon âge. Et ça compte pour moi, en fait, c'est assez drôle, ça compte pour moi, voilà. Et puis après, écoute, en 86, j'arrive à Paris, a priori pour faire des études, en fait, je n'en fais pas. Une des raisons, c'est que je déchire ma carte d'étudiant après la mort de Malik Houssekine, considérant qu'il n'y avait rien à attendre du milieu étudiantin. Bon, c'était très grandiloquent, hein, mais... Et puis, extrêmement marqué, bien sûr, par sa mort. En fait, à l'adolescence, je fais des fanzines rock, des fanzines punk, etc. Ce qui m'amène à travailler dans la presse rock, à faire un bouquin sur le rap en 91, et puis à travailler avec Bondage Records, qui était le label de rock alternatif, avec notamment les Beru, etc. Moi, j'avais un sous-label. Voilà, ça, c'est la fin des années 80. Quoi. Non, mais alors, sur les Beru, bon, moi, ça a été... Absolument fondateur, hein, vraiment, de travailler à Bondage, ça a fait de moi quelqu'un de mal éduqué, on va dire, enfin, des prix de liberté, d'indépendance, etc. Enfin, c'était un truc qu'on partageait tous. Bon, après, ça s'est mal fini entre Bondage, où je travaillais, et les Beru, pour des raisons qui seraient vraiment très longues, mais que les exégètes connaissent par cœur, enfin tout ça a été documenté, a été raconté. Et par exemple, évidemment que quand il arrive à Nantes, ce qui est arrivé à Nantes, c'est-à-dire le fait que, si j'ai bien compris, sur les 4 DJ pendant la fête de la musique, le 21 juin 2019, 3 arrêtent la musique et un quatrième, par bravade, lance... aux policiers qui ont demandé à ce que la musique s'arrête, porcherie des Beru. Pour moi, ça me parle. Je comprends le geste du DJ. Je le comprends tout à fait, si tu veux. Mmh. C'est quelque chose qui me parle. Cet album, là, Concerto pour détraquer, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important dans ma vie, mais vraiment. Après, on a perdu. Je veux dire que non, la jeunesse n'emmerde pas le Front National. La jeunesse vote pour le Front National. Donc c'est un problème, si tu veux. Ça n'empêche pas que, que c'était extraordinaire de faire ça. Bon. Après, voilà, chacun suit sa route comme il peut. Je ne savais pas qu'il avait appelé à voter Macron. Ce qui, en fait, moi, me perturbe dans ça, c'est plus l'idée qu'un artiste... pense autoriser à appeler à voter, enfin je veux dire pourquoi lui plus qu'un autre, voilà, moi c'est surtout ça, si tu veux. Après on est tous dans la merde, hein. C'est-à-dire que on l'a vu hier au débat, c'est-à-dire que Macron avec son idée de moi ou le chaos, moi ou le fascisme, ça y est, c'est la salle a parlé de ça pendant une bonne partie de la soirée. Et donc, oui, le danger il est là, sauf que la police sous Macron, elle se comporte pas du tout comme une police républicaine, c'est-à-dire que les raisons qui feraient éventuellement qu'il faudrait voter Macron font que certaines d'entre elles, sous nos yeux, se sont pulvérisées, c'est-à-dire que on a une police qui devient de plus en plus d'extrême droite, de plus en plus en roue libre, donc de toute façon, les choses sont complexes. Aujourd'hui, la réaction est absolument partout, dans les radios, dans les télévisions, etc. Et elle continue à nous expliquer qu'elle se bat contre la bonne pensée de gauche qui serait, qui régnerait, qui triompherait. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, il y a des fascistes à la télévision tous les jours. Enfin, je veux dire, on n'est plus du tout... Que l'extrême droite ait eu ce sentiment dans les années 80, éventuellement 90, je peux le comprendre, mais qu'aujourd'hui, ça marche encore, cette idée de « on ne peut rien dire », alors que
ils disent les pires atrocités, mais jour par jour, on descend, on descend, on descend. Oui, ils ont le droit, ils ont le droit. Alors après, c'est la question de la liberté d'expression et de qui a le droit de dire, qui a le droit de parler. Moi, je considère que tout le monde peut parler. Le seul truc qui m'embête, c'est quand il n'y a pas de contradicteur et que c'est dans une pensée qui est, pour le coup, unique. C'est-à-dire que, voilà. Mais ils continuent à nous expliquer qu'ils se battent contre la pensée unique alors qu'ils sont la pensée unique. D'une certaine manière, Macron-Le Pen, c'est la pensée unique. C'est une façon de dire, il n'y a que à choisir entre fascisme ou pas fascisme. Non, il y a quand même d'autres, excusez-moi, il y a quand même d'autres possibilités, quoi. La criminalisation de la pensée de la gauche radicale ou de l'extrême gauche, appelle ça comme tu veux, c'est un phénomène qui est ancien, hein, qui est absolument ancien. Dans les Gilets jaunes, on a bien vu que ça a été au moment où il y avait les coups de matraque et les LBD, il y avait aussi les mots qui étaient violents, séditieux, factieux, vermine, toutes ces choses-là qui faisaient en sorte que les gens qui manifestaient étaient déconsidérés comme des manifestants, c'était devenu des criminels, quoi qu'ils aient fait. Des lunettes de piscine, c'était une arme par destination. Enfin, je veux dire, si on s'arrête deux secondes, quand même, on est allé très très loin dans l'absurdité la plus folle, quoi. Et c'est pour ça que je pense que il faut lutter pied à pied avec les mots, avec les images, avec les arts, avec la fiction, avec le documentaire, avec la voilà, parce que la bataille, elle est là, hein. La bataille, elle est là, c'est la bataille du langage, hein. C'est la bataille des mots, c'est qui a le droit de dire quoi et quand. Bah, le truc qui est palpable, c'est que l'extrême droite ne s'embarrasse plus du tout de la moindre réserve. Elle est totalement décomplexée. Totalement décomplexée. Et elle amène avec elle joue sur un truc qui est très préoccupant de mon point de vue, qui est le confusionnisme, quoi. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas... qui ne sont pas fachos, mais qui pourraient intérioriser certains discours venus de là, sans forcément se rendre compte que ça vient de là. Parmi les théoriciens du révisionnisme, il y a des gens qui venaient de la gauche, et qui ont basculé vers l'extrême droite, etc., parce que chassés justement par la gauche, mais qui ont emmené avec eux quand même des gens qui venaient de la gauche vers l'extrême droite, etc. Les top. Oui, par exemple. Si tu veux, ce qui est plus délicat aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de diffus, voilà, de qui n'est pas qui est éclaté, qui est voilà, mais qui gagne, voilà. Et c'est encore plus difficile, je trouve, de lutter contre le confusionnisme que contre un adversaire clairement identifié, quoi. Moi, j'aime bien me balader, quoi. Voilà. J'aime bien la moto. J'aime bien aller d'un paysage à un autre. Voilà, du littoral jusqu'aux Alpes, des Alpes jusqu'à Tarnac. Tarnac jusqu'aux universités d'été de je ne sais quelle partie. C'est-à-dire, bon, voilà. La difficulté que j'ai, si tu veux, c'est entre le système de la représentativité, voilà, et puis mes idéaux, voilà. Voilà, il y a un hiatus qui est de plus en plus grand, Voilà. En ça, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, j'ai trouvé était extrêmement intéressant parce que ça sortait justement de la doxa d'extrême gauche, cette idée d'une réclamation de plus de justice politique, en fait, hein, plus de démocratie directe, etc. Moi, il se trouve que, alors, mais c'était vraiment pour rigoler, hein. Il se trouve que moi, j'ai été membre du Parti Pirate, enfin, pas membre, mais candidat suppléant au Parti Pirate en 2012 pour les européennes. J'avais fait ça pour un copain, et en fait, moi, il y avait un truc qui m'intéressait vraiment dans le Parti Pirate, bien plus que toutes les questions autour des nouvelles technologies dans lesquelles je baigne depuis vraiment le milieu des années 90, le logiciel libre, etc.
Mais ce qui, moi, m'intéressait dans le Parti Pirate, c'était ce qu'ils appelaient la démocratie liquide. C'est-à-dire l'idée que par les réseaux, par Internet, par le web, on pouvait demander au peuple son avis beaucoup plus souvent. Hein. Donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de RIC, mais de RIC, comment dire, tranquille, quoi. Enfin, je veux dire. Mais je dois dire, alors je porte aucun jugement sur le Parti Pirate aujourd'hui, je ne sais absolument pas où ils en sont, mais à l'époque, ce qui m'a fait quitter le Parti Pirate, c'était justement l'arrivée, aujourd'hui je pourrais l'appeler, du confusionnisme, où il y avait des gens d'extrême gauche, des gens de gauche, des anards, des libertaires, mais aussi des gens venus de l'extrême droite, des gens que, par ailleurs, moi, j'avais, dont j'avais... Bon, par exemple, il y en avait un. Quand j'étais à Libération, j'avais fait une enquête sur lui, mais je ne savais pas quand je suis arrivé au Parti Pirate, parce que c'était 20 ans après, parce qu'il avait fait un jeu vidéo où il se moquait, à l'époque, de Faudécilla, qui était le représentant des SOS Racisme. Ça paraît complètement... hyper vieux tout ça, mais bon voilà, et qui était un jeu vidéo très 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 désagréable. Faudécilla, qui est noir, était représenté avec un os dans le nez, enfin bon voilà. Et donc il y avait ces gens là si tu veux, mais c'est une fois que j'ai été, que j'ai vu ça, et là je suis parti du jeu vidéo là. Pour moi c'est pas ça. Et le Parti Pirate en Scandinavie, en Allemagne, pas mal de choses comme ça, c'est-à-dire des gens qui au nom des utopies, il y avait les libertaires puis les libertariens, quoi. Voilà. Et donc, voilà, moi j'aurais plutôt tendance à penser que la politique c'est un geste de chaque instant, quoi. C'est chacun dans son travail. Chacun dans son environnement, dans son entourage, voilà, qui peut peser beaucoup plus que les partis. Enfin, pour moi, j'ai jamais milité à un parti, par exemple. Ça ne viendrait pas à l'esprit, quoi. Mais Bondège, pour moi, c'était une façon de militer. Le journalisme, je l'ai dit hier soir, c'est pour moi un contre-pouvoir. Et contrairement à ce que les trolls peuvent penser, je crois qu'on peut être honnête intellectuellement et être dans une optique de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir les deux logiques par rapport à ça, quoi. Voilà. En 2007, entre les deux tours de la présidentielle, il y a une candidate socialiste qui dit qu'elle veut l'ordre juste. Et il y a un candidat... de droite, à l'époque UMP, Nicolas Sarkozy, qui lui répond « Moi, je veux juste de l'ordre. » Là, je me dis « Bon, c'est bon. je vais montrer autre chose à mes enfants, quoi. » Et donc, moi, ça m'a intéressé d'aller voir l'Amérique du Nord, qui est ma culture. C'est-à-dire, c'est ça aussi le truc, c'est que moi, ma culture, elle est vraiment nord-américaine, quoi. La musique, le cinéma, la littérature, voilà, je veux dire, moi, je suis enfant de tout ça, quoi, on va dire. Et donc, voilà, j'ai voulu montrer à mes enfants une autre façon de une autre perspective, voilà. Et puis, voilà, on est parti là-bas. Évidemment, c'est une immigration choisie. C'est-à-dire, choisie d'abord par nous. Enfin, c'était quand même assez extraordinaire. Hein. On a dit, tiens, on va y aller, on est allé. Bon, voilà. On a fait les papiers, on a eu le visa, etc. Donc, l'immigration la plus... Pas matériellement, parce que ça a été compliqué, mais quand même la plus simple, la plus confortable, je veux dire. J'ai jamais été sans papier, jamais été clandestin, j'ai pas risqué ma vie dans un camion, rien de tout ça, pour franchir la frontière. Mais c'est très fort, malgré tout, d'être un immigré, de ressentir ça. Alors, ça se passait très bien parce qu'au Québec, il y a tout un jeu d'un amour français et québécois, mais
c'est surtout de l'amour. Enfin, c'est surtout des très bonnes relations. Je veux dire que il y a pas la question, me semble-t-il, des problèmes du refoulé colonial ou des choses comme ça. Je veux dire, c'était il y a très 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 longtemps, la Nouvelle-France. Ouais. De bon, voilà. Malgré cette situation relativement idéale, on va dire, être immigré, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose d'être nostalgique de son pays, par exemple. Quelque chose de se dire, ah, putain, merde, ça me manque le saucisson. Non, mais tu vois, bon, ah, ça me manque les débats, bon, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends les débats sur le voile, je pleure. Parce que je peux ressentir, un peu plus qu'intellectuellement, je peux ressentir ce que tous ces deuxième, troisième, enfin enfants de toute troisième génération peuvent ressentir, de rejet, de désarroi, de colère, de bon, voilà. Et moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir immigrer, quoi. En termes de surveillance de frontières ou de choses comme ça, c'est beaucoup moins crispé. Il n'y a pas de bateau qui franchisse l'Atlantique ou le Pacifique pour arriver là. Du coup, c'est beaucoup plus... Les débats sont beaucoup plus sereins et beaucoup plus... beaucoup moins hystériques qu'ici, quoi. En fait, quand j'étais au Canada, je m'occupais pas trop de la police, hein, justement. Donc, j'ai pas forcément regardé. Bon, par exemple, la police canadienne se désintéresse d'un fléau là-bas, qui est le féminicide. Plus de 1000 femmes autochtones assassinées en 10 ans. Assassinées, hein. Et là, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde s'en fout parce que, bah, justement, c'est pas la société blanche anglo-saxonne ou européenne qui est touchée par ça, etc. Donc, la police, elle est canadienne comme toutes les autres polices, c'est-à-dire qu'elle est au service du politique et elle fait ses choix, elle fait ses priorités, etc. D'abord, pas une seule seconde, j'ai imaginé que ça allait devenir ce que c'est devenu, mais vraiment pas. Et d'ailleurs, si j'avais su que j'allais passer 15 heures par jour, en tout cas les deux premiers mois, c'était vraiment ça, quoi. J'aurais peut-être fait autrement. Non, c'est venu pour deux raisons. C'est sidération devant la violence policière, sidération devant le silence médiatique. Et ensuite, très vite, j'ai compris que le silence médiatique permettait le déni politique. Donc c'était là où il y avait un point d'accroche, on va dire, à l'idée de continuer coûte que coûte, même si pendant un mois et demi, c'était dans l'indifférence. Il y avait d'autres gens. Il y avait ici à Montpellier Christophe qui faisait le mur jaune, il y avait des Armonlés, il y avait des collectifs Justice et Vérité, il y avait des pages Facebook. Tout le monde à sa façon faisait son travail, etc. Et puis à un moment donné, à peu près en janvier, donc on va dire 2 mois après le début du mouvement et 1 mois et demi après vraiment les premières tentatives de travail, de compilation, etc. Alors là, on a basculé dans un autre registre qui était celui médiatique et dès lors politique. Ça, c'est ça qui est quand même assez marrant, c'est que dès que c'est médiatique, c'est politique. Il y a un lien vraiment évident, c'est-à-dire que tant que Le Monde, BFM, France Inter ne parlent pas de quelque chose, ça peut largement être sous les radars, on va dire. Mais il y a aujourd'hui quantité d'armes, la preuve, vous avez 3 caméras ici, quand même, pas mal. Il y a la possibilité de diffuser pour un coût quasiment réduit à néant. Enfin, c'est quand même extraordinaire ce qui est possible. On peut diffuser en direct. Enfin, je veux dire, si on raisonne par rapport en 20-30 ans, c'est incroyable.
les gens qui dans les années 70 faisaient des radios libres allaient en prison, enfin, je veux dire, pour voilà, les gens qui faisaient télé pirates, n'en parlons pas, pour faire YouTube en réalité. Enfin, évidemment, après on peut attaquer le débat sur les GAFA et tout, mais l'idée de dire je filme, je diffuse, je demande l'autorisation à personne, cette idée-là, elle est aujourd'hui possible. Et donc là, je pense qu'il y a une responsabilité de chacun autour de ces questions-là. C'est-à-dire que donc, les grands médias passent sous silence, mais s'il y a un travail de fond, c'est ma conviction, s'il est vraiment fait, tôt ou tard, il peut devenir un enjeu. En tout cas, moi, je considère que c'est ça l'idée. Voilà. Après, il y a des groupes alternatifs qui, à l'époque, ne voulaient même pas enregistrer de disques parce qu'ils considéraient que... chacun fait comme il veut. C'était extrêmement dur. C'était extrêmement dur émotionnellement. Et je n'étais pas préparé. J'ai discuté après avec des gens, des ONG par exemple, d'Amnesty ou de Reporters sans frontières, où j'ai appris que quelqu'un qui devient plus que militant, enfin qui devient permanent, s'il est amené à être au contact de la souffrance, en fait, il y a des formations, il y a des soutiens psychologiques, il y a des choses comme ça. Et moi, j'avais pas ça du tout. Donc ça a été dur. Il y avait les familles des victimes, il y avait les images, il y avait le son. Moi, j'ai vraiment, c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans le roman. Il y a un cri que j'ai en tête, que j'entends encore dans mon, tous les jours je l'ai là, quoi. Je sais où il est, je sais qui c'est, je sais où c'était, et ça voilà. Et puis en même temps, je voyais que il y avait des gens qui peu à peu me soutenaient, m'aidaient. Alors soit en m'envoyant des photos, des vidéos, dont un de vos membres, Ricardo, qui était extraordinaire. C'est-à-dire que lui, il avait bien compris que il suffisait pas d'envoyer une photo, il fallait dire ce qui s'était passé avant, ce qui s'était passé après, où c'était, à quel moment, etc. Bon, circonstancier les choses. Et puis, après, il y a des gens qui m'ont aidé à vérifier les choses, donc à partager la douleur, quoi, à partager le truc. Et puis, à un moment donné, tu es dans un effet d'entraînement, c'est-à-dire, il y a un front qui est ouvert, on y est. Chacun son rôle. Le CRS, il a son rôle. La BAC, elle a son rôle. Le lanceur d'alerte, il a son rôle. Le manifestant, il a son rôle. Le contre-manifestant, il a son rôle. Je veux dire que, de mon point de vue, on n'est pas hors du monde. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ça s'est passé comme ça, quoi. Ben non, je ne m'adresserai pas aux enfants, je m'adresserai aux parents. C'est-à-dire que je leur dirai, ça ne sert à rien de faire la leçon, quoi. Les enfants sont des éponges. Enfin, je veux dire que si on veut transmettre, c'est pas en faisant la leçon. Évidemment, il m'arrive de dire plein de conneries à mes enfants en faisant la leçon et tout, mais c'est évidemment pas là que la transmission, me semble-t-il, elle est pas là. Elle est beaucoup plus dans le. Là, je raconte dans le roman dont le personnage principal. Est inspiré de ce qui m'est arrivé, je raconte qu'il partage son bureau avec la chambre d'un de ses enfants. C'est strictement vrai, ça. Et donc, ce petit bonhomme qui a 10 ans, je pense qu'après il fera ce qu'il veut, mais il aura vécu ça, ça n'a pas été facile. Évidemment, je mettais un casque pour qu'il n'entende pas, etc., etc. Mais c'est lui qui m'a dit la chose la plus belle. Il m'a dit, mais papa, parce qu'un jour, un jour, j'ai lui demandé de m'aider à essayer d'entendre ce qu'un policier disait à un manifestant. C'était une insulte. Et c'était plus un moment comme ça, bon. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien de. Il
avait pas de sang, il n'y avait pas de violence physique, il n'y avait pas. Bon, voilà. Et là, on cherchait, on ne trouvait pas. Et il m'a dit mais en fait, papa, toi, ton métier, c'est véritiste. Ah, génial. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Quoi. Ben, ça vous fait continuer, par exemple. Donc, voilà, ce serait curieux que. Un père de, puisque moi je suis père, dise à un enfant, voici comment désobéir. Je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Mais je pense que le goût de la liberté, ça se transmet par l'exemple. Voilà. Comme les anarchistes bombistes du 19e siècle faisaient de la propagande par le fait. Je pense que le goût de la liberté, ça s'acquiert par la transmission. Je pense que ce qu'un enfant peut faire de mieux, c'est poser des questions. Oui, ils le font. Et ils le font. Non, mais voilà, ils le font. C'est le début de. Voilà, c'est une bonne technique, je pense, pour s'émanciper, pour provoquer, mais ils le font très bien. Donc, je peux difficilement répondre, quoi.